environ une cinquantaine de kilomètres de Kingston vers l'ouest. C'est à l'est de l'île par le traversier qui nous amène à Glenoria que je rentrais dans le comté de Prince-Édouard. Il faut compter environ une quinzaine de minutes pour faire la traversée qui est gratuite. L'intérêt que j'ai de découvrir le comté de Prince-Édouard, c'est de pouvoir admirer tous les paysages qui sont le long de la côte du lac Ontario. Mais on retrouve beaucoup plus sur l'île de Prince-Édouard. Il y a les vignobles, il y a les brasseries, il y a bien sûr les plages, les dunes de sable et toute la richesse de l'agriculture qu'on retrouve sur l'île. Mon premier arrêt se fait quelques kilomètres plus loin, à Lake in the Mountain, où il y a un charmant petit restaurant et une brasserie, où j'en profiterai bien sûr pour faire quelques achats. Wow! Juste wow! C'est le genre de choses que je recherchais quand je suis venu ici, être sur le bord du lac Ontario pour avoir une belle vue. Je suis vraiment impressionné, je suis vraiment content de ce que je vois à venir jusqu'à maintenant. Une petite route ici pour venir à la pointe, c'est un petit peu long. J'avais espérance de voir une vue comme ça ici parce que tout le long, les points de vue qu'on a sur le bord de l'eau, on n'a pas accès, c'est plein de résidences privées. Qui ont des résidences magnifiques avec une vue imprenable sur le lac Ontario. Mais j'espérais devenir au bout de cette pointe-là puis d'avoir un point de vue comme ça. C'est ce que j'ai trouvé et j'en suis très, très heureux. Par contre, la journée avance très vite. Il me reste encore beaucoup de kilomètres à faire. Je suis vraiment du type contemplatif. J'aime prendre le temps d'arrêter, de regarder, de savourer le moment présent. Présentement, je me trouve au bout de la pointe que vous voyez. Le petit point noir là avec en violet, c'est moi. Je vais être obligé de prendre la même route pour retourner à l'intersection parce qu'ici, présentement, la route, elle arrête ici. Oh, mes cheveux! C'est épouvantable! Oh, tant pis, il n'y a rien de mieux que je peux faire là, avec le vent, puis mon casque, puis bon. Alors, toute la partie en vert, c'est la partie que j'ai déjà de parcouru. Il me reste toute la partie en rose à faire. Alors, il me reste encore beaucoup, beaucoup de kilométrage. Puis la journée est pas finie, je suis déjà rendu à 1h de l'après-midi. Et puis de ce temps-là, le soleil commence à se coucher un petit peu plus tôt, fait qu'il me reste pas grand temps pour tout parcourir. Ça me fait un petit peu de peine parce que c'est un beau coin là, vraiment là, j'ai un plaisir fou à parcourir cette région-là. Mais il va falloir que je fasse des sacrifices, je pense, sur mon tracé et ça me désole un peu. J'ai rencontré un monsieur de la place. Je suis encore à peu près à la même endroit, mais juste un petit peu plus loin que tantôt. Il est déjà rendu 2h. Le temps passe, j'ai passé une demi-heure ici, il faudra que je m'y mette. Donc, j'ai rencontré un monsieur de la place ici, c'est intéressant. Monsieur qui écrit un livre sur les oiseaux, il prend des photos des oiseaux. Il m'expliquait un petit peu comment ça se passait ici, le printemps, l'été et l'hiver. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça me donne le goût de revenir à l'hiver et au printemps. Il me disait qu'au printemps, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux.
Ce qui est intéressant ici, c'est tantôt le soleil est sorti. Il est sorti comme une odeur des Caraïbes. Alors je me sentais quelque part comme à Cuba ou au Mexique. Là, il est près de 15h30. Je suis dans la petite municipalité de Wellington. Et ici, on a une magnifique vue là, de lac Ontario. À perte de vue, c'est magnifique. J'ai vu une petite péninsule juste en arrière de moi, par là-bas. Et j'espérais être capable d'y aller avec ma moto. Mais malheureusement, non, le chemin ne se rend pas. Je pense que la péninsule devient une île, puis après ça, ben, c'est coupé, il n'y a pas de circulation automobile. Le seul moyen d'y aller, je pense, c'est en bateau. Mais j'aurais aimé ça, aller sur la péninsule. Là, il me reste encore pas mal de route à faire. Je suis rendu à peu près autour de 230 qu'il me reste à faire. Mais ça avance bien. Mais il faut dire que j'ai une grande route à faire pour retourner aussi à Kingston. Sur la route, j'ai croisé ce charmant petit vignoble. J'ai décidé d'y faire un arrêt pour faire quelques achats, mais je voulais en même temps avoir la chance de déguster quelques-uns de leurs produits. Malheureusement, avec la crise de la COVID qu'on vit, tout se fait sur rendez-vous et tout était réservé déjà pour la journée. Mais ils ont été assez gentils pour me faire une place et j'ai pu quand même profiter de la dégustation. J'en ai profité pour acheter quelques bonnes bouteilles de vin. C'est un petit peu tard pour arriver à la plage, mais je voulais voir des sandbanks. On a des dunes de sable ici. Puis en arrière, on a la plage. C'est vraiment très, très, très beau, là. Je vais vous montrer des images de la grande plage. Je trouve ça vraiment beau et je trouve ça vraiment impressionnant de voir la grandeur du lac Ontario. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il y en a encore quatre comme ça à visiter. Alors il me reste encore beaucoup de routes à faire au cours des prochaines années pour pouvoir toutes les visiter.
Je suis dans une petite baie de la Ontario. C'est ce qui termine ce vlog. J'ai dû couper une grosse partie de mon trajet qui me restait encore à faire. Mais tant qu'à le faire rapidement parce que le soleil baisse et bientôt il va faire noir, j'ai préféré couper mon trajet et de revenir à l'hôtel pour ce soir. J'espère que vous avez aimé. Si oui, appuyez sur j'aime. Sinon, c'est pas nécessaire. Bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté. Thank you.